Salut tout le monde, et aujourd'hui, nouvelle émission qui porte sur... Laissez-moi voir le... Non mais on se fout de ma... Bon. Écoutez, je sais vraiment pas par où commencer, donc... On va commencer par la première séquence, hein? Vous savez, ce genre de joueurs-là qui prennent le sniper dès le début de la partie? Oui, ceux-là, oui, et qui campent depuis leur base. Eh bah, tout simplement, ceux-là... Regardez plutôt. Bon, allez, on va y aller. C'était quoi ça? C'était quoi? Il était où? Bon, allez, cette fois on y retourne. Mais oh! Bon, c'est bon, t'as fini de camper. Oh, regarde, je suis là! Et ces mecs recommencent, et recommencent, et recommencent à te buter de... quand tu sors justement de cette butte. Mais il y a pire que ça. Eh oui, parce que moi, eux, on peut les tuer. Parce qu'on les voit. Mais il existe une race de snipers. Une race de snipers. Qui, elle, on peut pas les trouver. Tout simplement parce qu'ils sont cachés dans des endroits que même toi t'y as pas pensé. Regardez. Maintenant, imaginez, vous avez votre pistolet à plasma, vous poursuivez quelqu'un dans sa mantis. Cette personne ne vous a pas encore repéré sur son radar. Par quel miracle, je sais pas, mais il vous a pas encore repéré, disons. Vous le sonnez. Et il se passe ça. T'attrapes pas, mon salaud. Viens! Allez, viens là que je t'achève. Merde, là j'aurais dû taper là. Allez, 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 viens! Oui, mais c'est pas possible. Tiens, ramasse ça, ramasse ça. Et je l'ai tout. Ah putain. Merde, il retourne à sa mantis. Vite, 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 vite. Ah, allez, allez. Non, tu t'échapperas pas, sale enfoiré. Allez, allez, viens là, mais des... Sérieux. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose? Voilà. On a fait le tour pour les ennemis. Mais tu sais ce qu'il y a de pire que les ennemis qui se trollent? Oui. Tes alliés. Regardez plutôt. Je vais prendre la main. Bah vas-y, je prends. Allez, c'est parti. Avance ou je te suis. Je... Bon. Mais bouge! Mais putain, mais tu vas bouger. Qu'est-ce que tu fous? Les ennemis sont là-bas, arrête de glander! Ah, il m'énerve. Maintenant, j'ai une question pour vous. Pourquoi ce mec s'est soudainement mis dans un véhicule et s'est mis à AFK? Et c'est quoi la raison? Allez, prends la mantille, je suis tout défoncé! Quoi? Un café m'appelle! Ah ouais. Ouais, c'est une bonne raison, ça. Mais bon, quand même... Suivant, suivant, suivant. Bon, prenons un autre exemple. Vous commencez la partie. Vous cherchez en priorité un véhicule. Et là, quelqu'un prend la mantis. Et... ou un autre véhicule qui dispose d'explosifs. Et tu ne sais pas pourquoi, mais cette personne a peur qu'on lui pique les autres véhicules. Je sais pas, peut-être qu'il y a un ennemi qui s'est infiltré dans la base en début de partie, oui, dans les 5 premières secondes. Et voilà ce qu'il fait. Bon. Allez, hop. Ouais. Il est con, lui, qu'est-ce qu'il fout? Il n'y a personne dans la base! Arrête tes conneries! Bon, attends, je vais aller le calmer. On garde son cœur, mais on se rend compte. Allez, 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 on y va. Bon, voyons.
Tiens, ça devrait se calmer. Non, j'ai loupé. Non, non, je suis un allié. Ah, mais... Merde! Vous pouvez pas imaginer à quel point c'est chiant. Mais il y a pire que ça. Oui, il y a pire que ça. T'es dans ta mantis. Je te dis, tu vas l'exploiter jusqu'au bout. T'es en train de te battre à fond. Et il y a quelqu'un... Je sais pas, il décide de... Regardez. Allez, je vais les avoir. Une grenade, ça se soigne. Une grenade réparatrice. Mais putain, mais fais pas ça, bordel de merde. Non. Oh. Putain. Bordel de... Voilà, sinon Halo reste quand même un bon jeu. Voilà, ce sera tout pour ce premier épisode de Rage Kit. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous demanderai de laisser un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Aussi, si vous avez toujours aimé cette vidéo, je vous conseille aussi de laisser un petit pouce vert. Ça ne vous coûte rien et nous, ça nous fait plaisir. J'espère vous revoir la prochaine fois lors d'un prochain Rage Kit. Allez, salut tout le monde!